somo. Moi, c'est Moukoro Calvin. Je suis le collaborateur de Geneviève Traoré. Donc, nous sommes les deux représentants de l'association Badéa Anouna. Et comme eux-mêmes, ils aiment le dire, nous sommes leurs yeux, oreilles et bouches ici. Donc, nous sommes moitié italien, moitié burkinabé. La situation, c'est un peu alarmant. Par exemple, à Bankoumani, il y a 24 latrines privées et 2 latrines modernes, avec une population de 1170 habitants. Et Dembo, 33 latrines privées et 2 latrines publiques, avec une population de 1969 habitants. Le village où le cas est très alarmant, c'est Bagirasso. Il y a une seule latrine publique qui est à l'école. Hormis ça, il n'y a plus de latrine dans le village. La plupart de ces habitants-là, ils font le péril fécal. Et ça veut dire quoi? Ils vont se soulager dans la nature. Ici, pour aller pendant l'hivernage, se soulager, en ce moment, il y a les champs de mil, les champs de maïs. Il faut saluer d'abord la nature avant de se soulager, parce qu'il est probable qu'on tombe sur une femme ou bien un homme. Donc tu salues, tu dis bonjour si c'est le matin, si c'est à midi, tu dis bonsoir. Et si quelqu'un répond, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a devancé là-bas. Donc il faut chercher un autre coin pour aller se soulager. Maosono. Ni bunte ni miki o bien do yele bey ko ba fo ko obina tabana ko odun ti ta banako takake obita yalate ka ko nason nason do ke mais si sa ko mi yigen nana ni akela sababu yo ko nason nason nu be on no yela sasa na kera ko mi sufelo ti se ka ta ko mola do ale bi se ko ju bo ka sibi bon ko fe
Si on prend le cas de Bagirasso où il n'y a pas de latrine, et si on devait faire au moins une recherche, demander à un adulte combien de fois il se soulage le jour, connaître sa quantité de caca qu'il fait par jour, chercher au niveau du vieux, des enfants, et si on demande combien d'années le village là existe, on devait trouver des tonnes et des tonnes de caca ici. Mais on ne voit rien. Donc où sont partis ces caca-là? L'eau de ruissellement de la pluie là, a dû amener ça dans les puits parce que les puits sont sans margelle. Et cette eau est consommée par la population. Les cacas qui n'ont pas été transportés dans les puits par l'eau de ruissellement sont consommés par les animaux tels que les porcs, les poulets. Et ces porcs et ces poulets-là sont consommés par la population. Donc, en consommant ça, ça donne des maladies d'origine hydrique à la population. Les différents modes de transmission, c'est quoi? C'est d'abord les mains, il y a le sol, il y a l'eau, il y a les aliments, il y a les mouches. Je suis là. Utonu ta banakota ra kata banakota ke orala o kama ay nyagan kelen blai hal ni banakota yo mina use ka don kono no tlara obu taka ko 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 fe ni utara ke banakota ra limo ko utonu busi ka kan busi ka na dugo kono kana siganga dumun kan abu ke banai. Pour que Badéen réalise cette latrine, il ressort d'abord des micro-projets que les villageois ont déposés auprès de leurs représentants. On examine les projets et nous donnons nos avis qu'on envoie en Italie. Donc maintenant, les villages où on a décidé de réaliser les projets, nous allons vers la population parce que c'est eux qui ont manifesté le besoin. On fait une rencontre avec eux, on leur demande, vous avez déposé votre projet, maintenant comment nous allons faire? Voilà, nous en tout cas, on est prêts à supporter le micro-projet. Nous, on fait un apport en matériel. Le suivi technique aussi, c'est Badéa, parce que les travaux sont suivis par moi, parce qu'il y aura un regard des autorités sur nos activités. Donc, il faut bien faire. Tous les villages sont engagés à venir ramasser le matériel de construction à Nouna parce que dans les villages il n'y a pas de boutique où on peut payer le ciment ou bien le fil de fer, le tôle, les choses. Tout se paye à Nouna et eux ils viennent avec leurs charrettes et enlever ça jusqu'au village. Après ça, ils assistent le maçon dans les travaux de construction. Et en plus de cela, ils payent le maçon. Parce que le maçon n'est pas de Badéa. Et le maçon aussi n'est pas du village. Il faut bien qu'ils gagnent quelque chose. Avec le maçon, ils sont d'accord, 15 000 francs, la réalisation d'une latrine.
Les difficultés que on rencontre généralement, c'est souvent le transport des briques, parce que ça se casse. Souvent, c'est le problème de l'eau, parce que c'est pas dans tous les villages qu'il y a de l'eau. D'autres problèmes, c'est les agrégats, le sable. Souvent, on a le sable qui est disponible dans le village, mais les gravions ne sont pas disponibles. Souvent, c'est les gravions qui sont disponibles et le sable n'est pas disponible. Nous avons réalisé l'année dernière 4 latrines publiques à Tenou. Une au niveau de l'église catholique, une au niveau de la mosquée, une au niveau de l'église protestante et une latrine au marché. Ce sont des latrines modernes. Et ça veut dire quoi? Ce sont des latrines avec marché, bien faites, une cabine avec un tuyau de ventilation. La porte qui est placée est aérée en haut et en bas. Ici, le vent souffle, les mouches qui sont dedans, le vent les pousse à rentrer dans la fosse. Le tuyau de ventilation là éclaire la fosse. Donc les mouches suivent le tuyau de ventilation et vont se buter aux grilles anti-mouches. Et en retombant, ils sont crevés. C'est une seule fosse. Si elle est pleine, il faut soit la fermer ou la vider. Quand on rentre pour se soulager, quand on se lève, il faut bien se nettoyer le derrière. Si tu sors, si tu ne fais pas attention, tu ne laves pas les mains, tu trouves de la nourriture, tu manges, tu peux facilement t'empoisonner toi-même. Voilà pourquoi les lave-mains devant les latrines, à la sortie, c'est pour t'inciter à laver les mains avant de faire quoi que ce soit. Bon, il y a des gens qui marché, parce que dans le secteur, il y a des gens qui ont fait des choses, 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 wa nyeke unana wa akera pour réaliser une latrine traditionnelle, il faut faire une fosse. Il n'y a pas de dalle là-dessus, on n'enferme pas de la terre, souvent c'est une tasse ou bien même pas avec une cabine en banco. Il n'y a pas de tuyau de ventilation, donc c'est comme si on faisait le péril fécal. Le problème de santé n'est pas résolu. 2 ans, c'est le maximum. Si tu ne fais pas attention, un jour, tu risques de tomber dans tes caca. Après la réalisation des latrines, il faut bien les entretenir pour éviter, et un temps soit peu, les maladies d'origine hydrique
Donc on leur donne des conseils d'entretien de ces ouvrages-là. Voilà pourquoi on demande au village de nous donner le nom de deux personnes que nous allons former pour l'entretien de ces ouvrages. Par rapport au choix de génie, il y a trois critères. Le premier critère, il faut que l'hygiéniste soit marié. Deuxième critère, il faut que ce soit une femme qui aime la propriété. Parce que si c'est une femme qui n'aime pas la propriété, on n'a qu'à beau la former, c'est comme si on cherche des poux sur une tête rasée. On ne pourra pas atteindre nos objectifs. Et qu'elle soit vraiment d'accord pour le développement du village. C'est à partir de ces critères-là qu'on nous donne des noms et je viens pour faire la formation. La formation se fait au village avec la méthode Sara. Sara, ce sont des images qu'on leur montre. C'est à eux d'interpréter d'abord les images. Si ils interprètent et si tout le monde est d'accord sur ce qui est sur l'image là, après on les pose à terre et maintenant on leur demande de regrouper ça en deux, les actions mauvaises et les bonnes actions. On leur donne des conseils sur l'entretien, comment il faut entretenir les latrines, les avantages que ça donne, les inconvénients du manque d'entretien des latrines. Cette année, nous voulons réaliser des VIP, double fosse. C'est ce qu'on est en train de faire dans tous les villages qui sont programmés cette année. Les VIP, ils ont deux trous. On utilise une des fosses et si elle est pleine, on débouche celle qui était vide. Et celle qui est pleine, là, on la ferme pendant 2 ans. Quand on vide cette fosse-là, ce caca-là est utilisé dans les champs ou bien dans des jardins pour amender les sols. Et on conseille, soit ils vendent, parce qu'on leur conseille de laisser du savon à côté du lave-main. C'est une forme de ressource
d'argent qu'ils peuvent avoir aussi. La construction se fait, c'est une fosse de 2 mètres de largeur. La longueur, c'est 2,86 m. Il y a une dalle qui se pose là-dessus. Il y a 2 tuyaux de ventilation parce que nous sommes en train de faire double fosse. D'abord une couche en béton en bas et on construit sur le béton là jusqu'à la sortie. En ce moment la dalle là serait prête et on prend la dalle, on pose sur la partie construite et on prend la cabine au-dessus de ça et on a la première VIP Badea 2012. Ouais. Inch'Allah, si Dieu le veut. Aye wiri ben kadibe, badeya ben kadibora, alama sababu nyena. Aye wiri ben kadibe, badeya ben kadibora, alama sababu nyena. Badeya ben kadibora, singeya ben kadibora, nufuka. Yeah.